Salut, c'est Seb. On se retrouve pour la Porsche Cup sur e-Racing, semaine numéro 2. On est parti sur Road Atlanta pour 18 tours de course. Alors, je me suis qualifié 10e. Je cache pas que je suis pas fan du circuit. Pas évident. Pas mal de virages en appui, en dévers. Ça monte, ça descend. Pas mal de casse souvent par ici aussi. Donc ces derniers temps, je suis en train de perdre beaucoup beaucoup de rating sur e-racing. Je suis pas constant. Je reprends ma période où je veux finir trop vite. Et ça, c'est pas top. Donc il va falloir que j'essaye de ronger mon frein et d'être un peu plus constant parce que j'ai quasiment perdu 200 points d'hier depuis un mois là. Alors certes, hein, je me bats aussi contre des gars qui sont pas toujours fair play. Malheureusement, on va dire que c'est pas de chance, mais bon, c'est aussi de ma faute. The air temp is 18 Celsius, V10. Here we go. Green, 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 green. Left side. Left. Clear left. Clear. Ouais, c'est ça, cet enchaînement-là. Une grosse difficulté du circuit. Starts okay, we're still in good shape here. Non, je vais te prendre ton aspi grand, reste là. Allez, on va juste se décaler pour le freinage. Right side. Right side's clear. Clear on the right. Pushing him, there'll be a chance here. Faudrait pas qu'il se distance trop, que je conserve un petit peu de speed quand même. Now 0.7.
Allez, safe. You're in the sky. The gap's now 0.6. The leader has just done a 120.4. That's your best lap in the session. Vous voyez, je parle pas trop, je suis désolé. Un peu concentré sur la conduite, on va essayer de ne plus faire trop d'erreurs. Parce que c'est beau de parler des erreurs des autres, mais... Slow in, fast out. Keep the inside line covered. That's your best lap in this session. Derrière pareil, il ne lâche pas. Faut se méfier devant, derrière. Ouh, il surconduit, je pense, devant. Il aligne pas mal ses pneus. You've just done a 123.1. Ah, j'arrive pas à revenir. The gap to the lead behind is now 0.7. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Gardez le rythme. You're gaining on the guy in front. The gap is 0.3. Consistency. Keep them coming.
je pense même qu'en vitesse de... Vu que je le rattrape sur les parties lentes, je pense qu'en vitesse de pointe, j'ai un peu plus de mal. Faut que je me méfie parce qu'au niveau du freinage, il ferait beaucoup plus, freine beaucoup plus tard que moi. Car right. Clear right. Clear on the right. Bon, la dernière, je crois que je vais laisser passer. J'en ai marre de m'accrocher. C'est pas grave, on reste une bonne place. Left side, left. Ah, ça va être chiant. Stay on the right. Clear on the left. Awesome. Well done. The gap in front is now 1.0 seconds. Allez. Half distance. Fuel looks good. Allez, dixième tour. Now 23 Celsius.
Allez, faut que je reprenne un peu là-bas. Je vais le rattraper, donc au niveau du freinage, ça devrait le faire. Il n'a pas protégé à outrance. Deux positions à garder là. Ah, là-bas tout au bout il y a quoi, 6 secondes, ouais. Faut peut-être pas être gourmand. Allez, il y a 5 tours. Alors j'aimerais bien essayer de choper la 7ème place, mais autant vous dire que je risque d'augmenter le rythme, déjà même pas en soyant certain pour le rattraper, donc bon, il restait 4 tours, il y a plus de 6 secondes. J'aime pas parler trop vite, mais pour l'instant c'est entre guillemets, je vais pas dire une course parfaite, puisque j'aurais aimé
être un peu au-dessus, mais peut-être que le surf est élevé, tout simplement. Donc on va pas se plaindre, on va. Sector 1 is 1.2 seconds off the pace. On va se contenter de cette 8ème place. The gap ahead is now 7.0. Hier, ça m'a trop fait amuser, enfin amuser, rager plutôt. J'ai fait la skip. Et puis je suivais deux mecs, on était assez près, assez proche. Et le mec devant pousse celui juste à côté. Forcément, il l'a poussé à l'intérieur du virage. Et moi, du coup, je reviens sur lui. Et je me porte à sa hauteur au freinage et je suis à l'intérieur du virage. Donc mes roues avant avaient passé ses roues arrière. Bref, j'étais déjà bien avancé. Bah lui, non. Il a tourné, il a braqué sans faire attention, sans me laisser la place. Donc du coup... on s'est accroché. Donc moi ça va, je suis reparti dans le bon sens de la marche. Lui, moi. Donc, du coup moi je continue mon volume de chemin. J'étais deuxième je crois. Et puis dans le dernier tour, quelqu'un loupe son freinage. Et me percute. Donc du coup je termine dehors, assez énervé. Qu'est-ce que je fais? Je repars tranquillement. Et je finis quatrième. Et en essayant de comprendre un peu les raisons, en fait le mec, c'est simplement... le gars qui m'avait pas laissé la place au virage au milieu au début de course. Donc il s'était arrêté au stand et il avait, je crois, attendu patiemment que j'arrive dans la ligne, justement l'arrivée, ligne des stands, pour se placer derrière moi et venir me taper. Voilà. Bon, ce que je vous dis là, c'est peut-être. Alors c'est pas propre à e-racing, hein, bien évidemment, mais ça fait un moment que ça m'était pas arrivé. Un mec qui rage comme ça. Qui t'attend pour te défoncer. Bref, petite anecdote. Two laps left. Bon, pas de regret. Devant, il était à 9 secondes maintenant. Alors, je dis il, mais de ce que je vois, c'est Isabelle. Alors, pseudo ou autre. J'en sais rien. Allez, dernier tour. One more lap to go. Alors, vu que c'est la fin de course, j'en profite. Petite pub pour la team ASRT. All Sim Racing Team.
juste pour vous dire que n'hésitez pas, dans la description de la vidéo, il y aura toutes les infos, hein, venez nous voir, n'hésitez pas, on organise des open mais tout ce qui va bien. Alors je parle et un petit copain derrière qui a 3 dixièmes. Ce qui va me tenter le freinage. Oh, je me suis fait peur quand même, je vous parle et puis je raconte ma vie. Il était bienvenu. Je suis pas premier, je suis pas sur le podium, je suis pas top 5. On va dire que je suis top 10 et c'était propre et je me suis amusé. Entre nous, mais c'est pas le principal. Ouais, je suis pas là pour taper 4000 d'e-rating. Mais pour m'amuser, et de toute façon, comme je l'ai dit, des bourrins, il y en a partout. Voilà, on va aller sur cette bonne phrase. Je vous laisse, à plus, salut.